service du sport juste ici à rue Sainte-Catherine, la maison du Birdies, votre équipe de volley. Ce soir, je suis ici avec ma coéquipière Emery. Bienvenue, Emery. Bonsoir. Ce soir, on parle un peu d'un côté différent du volley, pas que les positions, pas que les choses qui passent sur le temps, mais un peu le côté du famille, parce que Emery, c'est une mère de l'équipe. Oui, oui, effectivement, je suis la maman de l'équipe, donc je suis une des seules joueuses qui a une petite fille qui va bientôt avoir 3 ans. Et donc voilà, c'est pas évident, mais ça se fait. Oui, c'est un peu différent. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie pour bien balancer la famille, le côté votre mariage et tout, les enfants, et aussi avec votre passion de voler? Alors, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que pour moi, ma priorité avant tout, c'est ma famille, ma petite fille. J'essaie de faire le maximum pour qu'elle soit pas trop, qu'elle ne se rende pas trop compte que je pars tous les soirs m'entraîner. Heureusement que j'ai un mari qui est également dans le volley, donc il comprend cette passion, il comprend pourquoi je vais m'entraîner, pourquoi je suis avec les filles et pourquoi je refuse de rater un entraînement, même si parfois il aimerait bien que je reste avec lui. Donc voilà, on essaie de faire ce qu'on peut pour que surtout la petite ne se rende pas compte de ça. Bon, après, c'est au volley, c'est que du plaisir. Hein. C'est le plaisir d'être avec les copines, c'est le plaisir de vivre cette aventure avec vous, avec tout le staff. Voilà, c'est quelque chose quand même qui n'est pas donné à tout le monde et c'est vrai que j'essaie d'en profiter un maximum. Et tu parles de les aventures sur la vie Emery avant qu'elle arrive à Bordeaux. Explique à nous où vous êtes avant. Alors, en fait, je viens de Mo'orea. Mo'orea, c'est une île qui se situe en Polynésie française, c'est juste à côté de Tahiti. Pendant toute ma jeunesse et jusqu'à l'âge de 19 ans, j'ai fait de la musique. Donc voilà. Elle était une star. Elle ne fait pas que de musique, elle est une star. J'ai fait pas mal de musique. C'était une passion qui a duré un certain temps et qui est toujours là. Mais quand je suis arrivée en France, j'ai décidé de consacrer toute mon énergie à mes études. D'une part, même si j'ai continué à chanter avec un groupe polynésien qui tourne actuellement dans le monde. Ce groupe, c'est Show Tahiti Nui, si un jour vous voyez. J'ai préféré mettre la priorité sur mes études. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir le concours du CAPES. Et maintenant, je suis professeure de SVT dans un collège à Bordeaux. Super. Merci pour compter ça avec nous, parce que ça, c'est une petite tranche d'information qui tout le monde ne s'en rend pas compte. Vous pouvez voir... Sur les autres côtés, tout le temps, on a les autres vies qui sont un peu différentes. Chaque fille avec une vie à côté, et j'espère avec toute cette épisode, vous pouvez voir un peu la vie antérieure de la fille sur le maillot, c'est un peu différent. Et c'est quoi votre objectif avec le volley après? Emery aussi, elle est une super beacheuse comme quelques autres filles de l'équipe. Elle est trop beacheuse, c'est pour ça qu'elle est trop bien bronzée et tout. Mon objectif, alors pour le volley, jusqu'à présent, c'était le plaisir. Après, l'année prochaine, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je vis au jour le jour. J'essaie de me faire plaisir avant tout pour justement être bien dans ma vie professionnelle et également dans ma vie de maman. J'ai besoin d'avoir des moments à moi où je me fais plaisir et c'est à travers le sport. Donc là, actuellement, c'est à travers le volleyball hors salle et lorsque ça va se terminer, dans 2 semaines, ça sera le beach volley. Le beach volley, donc à l'extérieur avec ma coéquipière Adrienne. Voilà, on va essayer de faire quelques étapes quelques tournois pour justement essayer de nous qualifier pour le championnat de France et puis voilà.
Super. On est plein de monde qui cherche le champion cet été. On est Simone avec les JO et peut-être Emery à champion de France au beach. On croise les doigts. Merci. Donc, on dirait merci pour nous rejoindre encore ce soir pour le 4e épisode du Bonjour Birdies. Merci Emery pour rester avec moi ce soir. J'espère qu'on se trouve le samedi prochain. C'est le dernier match de notre saison. C'est très important pour nous et j'espère pour vous aussi. Donc, à samedi. À samedi. Au revoir. Au revoir.